J'aime bien avec le la truc pas fini. On rentre du boulot. Ouais, j'espère que vous allez bien, que vous allez tous très bien. Bon, j'ai vu qu'il y a des nouveaux qui passent sur la chaîne là, hein, qui se croient dans le souk et qui disent non mais si tu peux arrêter de parler, tu peux faire les cartes. Alors écoutez, ici, vous êtes sur la chaîne de Didi, il faut le savoir. Donc vous avez le droit de rentrer, vous m'accueillez chez vous si vous avez envie. Mais par contre, de là à me dire comment faire la chaîne de Didi, c'est non. Donc soit ça vous plaît déjà comme c'est, soit ça vous plaît pas et on vous retient pas. On vous fait de gros bisous et on vous souhaite beaucoup de joie sur les autres chaînes parce qu'il y a plein d'autres chaînes. T'as vu qu'on était beaucoup. Hein, il y a comme une prise de conscience de la mission là. De nécessité de café. Ah, si, ça va y aller. Ah, c'est ce que je me disais, il me manquait le petit café pour démarrer là. Alors, on est déjà à 1 minute 10, il s'est rien passé, on n'a rien dit. Eh ben si. Ici, on arrive dans le 4 mars. Le 4, c'est le symbole de la stabilité. 1, 2, 3, 4. Et tu sais que j'avais pas remarqué, je vous aurais pas montré ça avec mes doigts. T'as remarqué que, en fait, nous, notre truc, l'humain, c'est que le pouce est en opposition. Souvent, j'oublie, j'y pense et puis j'oublie. C'est la vie, c'est la vie. Et c'est ce qui nous permet de nous saisir, d'attraper des choses de la vie. Oups! Le pouce, c'est quoi? Bah, en fait, ça nous permet de tenir un stylo, de tenir un crayon, et tu sais, d'aller dans une certaine forme de finesse. Et aujourd'hui, c'est comme si on devait aller dans les choses qui sont faites au pinceau, dans le détail, dans la. Avec ce 4, le 4 mars là. Ah, c'est marrant parce que j'ai cette notion de 4 de denier aussi. Ah, j'ai l'impression qu'il est tout petit. Tu sais, comme elles sont toutes fines. Tu sais, au bout d'un moment, les cartes, elles gonflent. Et là, en fait, comme c'est ma deuxième triade, tu sais, ça fait un peu penser à mon deuxième ordinateur, mon deuxième outil de travail. Oh. Mais je pensais, j'ai plus avec qui j'étais encore en train d'en parler, que de toute ma vie, en fait, je pensais pas qu'il allait m'arriver ça avec la chaîne. Ah, mais je te jure, je ne l'avais pas prévu. Oh, c'est un truc de fou, hein. Et qui t'ouvre toutes les portes de ce que tu as toujours voulu faire. Alors ici, on a l'adversaire et la femme. C'est marrant parce que ça fait plusieurs jours que j'ai des messages là. Ici, on vous rappelle l'importance de la qualité de vos adversaires. De pour avoir, j'ai repensé au championnat de ma sœur là, la semaine dernière, et c'est le fait d'avoir des concurrents de qualité. Et ici, tu vois, c'est un petit peu comme sur YouTube. Ben, je sais qu'il y a plein de confrères et de consœurs qui viennent me voir. Bon, je pense qu'ils ont quand même fini par comprendre que j'avais déclaré mon œuvre et que je touche des droits d'auteur. Donc, s'ils me piquaient un peu trop de choses, ben, il y a des procédures qui peuvent être mises en place. J'ai bien sûr, je n'ai plus le temps de faire du benchmarking moi-même, mais croyez bien que les gens qui m'adorent le font à ma place et me rapportent régulièrement que certaines viennent prendre du contenu pour le mettre à leur sauce. Et j'adore parce qu'en fait, les gens qui m'apprécient me le rapportent en me disant, mais tu sais, Didi, ils expliquent mal par rapport à toi. Bon, écoutez, moi, je vais vous dire tout de suite ma position. Tant que le plagiat n'est pas trop énorme, si des gens essayent de s'approprier des choses, enfin, moi, je trouve que ça fait toujours avancer le schmilblick jusqu'à un certain stade. Là, c'est sûr que si on sait que tu n'as pas réfléchi toi-même, mais si tu veux vivre de ce menu larcin, et puis qu'il y a des gens qui sont suffisamment, j'allais dire, stupide pour peut-être mieux comprendre avec tes mots que t'as pas tout compris. Écoute, enfin moi j'ai décidé de pas trop me casser la tête parce que c'est pas du karma pour moi quoi. Tu sais, ça fait depuis que je suis gamine, j'ai des bonnes idées, je sais pas forcément les mettre en forme. Bah, s'il y a des gens qui ont envie d'avoir un côté un peu moins brut de décoffrage, mais grand bien leur fasse. De toute façon, ils savent à qui ils l'ont piqué, ils savent à qui ils doivent quoi, n'est-ce pas?
Donc, l'abondance, voilà, c'est pour tout le monde. Après, c'est, tu sais, je pense que si tu es capable de reconnaître d'où vient ton inspiration et de remercier la personne d'une façon correcte, je ne suis pas sûre que ce soit mal. Après, voilà, c'est, moi, je vous invite simplement à citer vos sources ou à renvoyer à où vous avez trouvé l'information, hein. Oui, et ici on parlait de, justement d'adversaires à votre taille. J'en reviens là parce que c'était le sujet. Ici, c'est, on parle de domaines dans lesquels vous êtes bon, vous êtes même très bon. Tu vois, moi par exemple, je suis pas. Tu vois, je me suis dit, je vais peut-être avoir le moins le temps de faire de sophro, je vais voir régulièrement des séances de sophro. Alors, il y a des gens qui ont fait des super trucs en images et tout au niveau de la sophro. Par contre, au niveau de la qualité et de la voix, c'était scolaire, quoi. Et je comprends que vous n'ayez pas envie de vous faire guider par des gens comme ça. Mais en même temps, moi, ça ne me dérangerait pas. Au contraire, j'ai envie de bosser avec des gens avec lesquels, bah voilà. Moi, je sais qu'au niveau de la voix. J'essaye de rester zen. Au niveau de la voix, j'ai vraiment quelque chose que j'arrive à vous faire passer. C'est mon outil. Bah, d'ailleurs, c'est aussi probablement un des trucs sur lesquels je suis le plus sensible. Donc, ça, il y a un truc qui fait partie de ma zone de talent, là, de ma zone de génie. Et du coup, bah, c'est sûr qu'il faut que la voix, je la garde. Par contre, il faut peut-être que je délègue le montage. Mais moi, en même temps, je m'en fous du montage. Puis, je sais pas si vous appréciez le montage pendant que vous avez les yeux fermés. Donc, est-ce que c'est vraiment utile? Je sais pas. En tout cas, on va rester dans la simplicité. Par contre, ce qui est bien, c'est que je vais toujours trouver des gens qui sont susceptibles de me challenger. Tu vois, l'autre fois, je me suis dit peut-être que, en effet, pour moi, le montage visuel n'a pas de sens, mais je comprends qu'il en ait pour d'autres. Par contre, je me disais, le montage au niveau du son, tu vois, je me suis dit, quid de prendre de me suivre une vraie formation. En plus, c'est quelque chose, tu sais, j'ai voulu bosser à la radio et je. T'inquiète que je suis déjà allée dans une radio, je sais comment ça fonctionne et je me dis que par contre le montage au niveau audio, j'ai bien envie de me lancer là-dedans. Bon, donc des adversaires à votre taille et le pardon alors d'une femme ou à une femme. Ah, Didi est défigurée par son allergie là. Quand j'ai le nez double. Le nez double, oh, c'est même plus mon visage. Alors, richesse, isolement, ne pas pouvoir jouir de ces richesses. Un non nouveau départ, Delta, équilibre, santé, élévation à l'envers, silence. Ici, on ne se tait plus. On ne ferme plus sa bouche. Ici, je ressens un drôle de truc justement par rapport à ce 4. C'est comme si il y avait quelque chose qui allait être proposé, mais c'est épidermique. Et là, moi, ce que je ressens, tu sais, quand j'étais petite, j'osais pas trop parler, puis ça sortait pas toujours comme ça devait. Et je faisais des crises d'urticaire, mais d'urticaire vraiment costaude. Et en fait, si tu veux, la peau, c'est un prolongement de toi qui va exprimer ce que tu ressens, en fait. Parce que toi, tu le dis, bah, ça me gratte jusque dans la tête. Ça me faisait ça quand j'étais petite. Et ici, c'est, j'ai la, oh là, ça me gratte de partout. J'ai la notion de, on ne va pas pouvoir pas réagir parce qu'il y a quelque chose qui nous met hors de soi. C'est une nécessité. Il y a un truc par rapport à quoi on va dire stop, là, d'être puni, d'être privé. Ça a à voir avec quelque chose de la santé, ça a à voir avec quelque chose de l'équilibre, et ce n'est plus possible de pardonner ou de continuer de tolérer une privation de la jouissance en fait, une privation de la jouissance de son, comment dirais-je, de choses qui sont à soi. Et du coup, là, j'ai la nécessité d'avoir des adversaires à sa taille. Et en même temps, par rapport aux adversaires que vous avez actuellement,
Attends, parce que j'ai un rendez-vous dans pas longtemps. Il y a cette notion de pouvoir reconnecter à la source, de pouvoir reconnecter aux richesses. Mais ici, il y a un départ qui va se faire à l'envers. On regarde les choses sous un autre angle. Et c'est ce qui va nous permettre d'y voir clair par rapport à un équilibre. Et en fait, c'est comme si maintenant tout était inversé. Et ici, on a fini de se taire. C'est une nécessité. C'est stop à des positions de victime. Hein, c'est je mets la main, je dis stop. Stop à l'épreuve, stop au désert. Et ici, il va y avoir des messages forts. Et s'il y a quelqu'un qui dit « j'ai pas très bien compris », eh ben, t'inquiète, on va l'aider à comprendre. Ici, c'est un message de votre âme. Il va y avoir des unions pour que quelque chose se termine. On va arrêter de faire face en permanence aux mensonges ou à quelque chose d'incohérent. Ici, ça veut même dire que dans les entreprises, il va y avoir des délégations, il va y avoir des demandes de discussions qui vont être faites. Parce que là, et c'est peut-être par rapport justement à l'isolement. Hein. Ici, il y a quelque chose au niveau intuitif qui ne tient plus. Et on a besoin de si on continue de faire quelque chose, on a besoin de savoir que ça marche. On ne continue plus dans le vide ou au chaos. Tu vois ce que je veux dire? Alors, on y va. Ça me gratte tout le visage. C'est un truc de fou. Viens, je t'emmène. Nanana. Et tu sais quoi ce que je viens de me demander? Et si ton âme sœur était ton frère? Tu sais que moi, je sais que y a un des liens que j'ai, je sais. Je sais plus qui m'a demandé ça, comment tu reconnais les familles d'âmes. Moi, je trouve aussi que la couleur des yeux, on sait aussi de quelle famille. De toute façon, vous voyez bien que les gens qui ont les mêmes genres de couleurs d'yeux que vous, on s'entend hyper bien, on se comprend hyper bien au niveau spirituel. C'est un truc de fou. Il y a une base commune d'évidence. J'ai remarqué ça aussi avec pas mal de gauchers. Mais je peux me méprendre. Hein. Mais voilà ce que j'ai remarqué. Alors, au niveau professionnel, ici, il y a des gens qui terrassent les maladies. Mais par contre, qui travaillent seuls. Je marche seul. Didier, elle a la voix un peu, je te dis, c'est l'allergie. C'est un petit peu comme si j'avais déjà pris les cachetons pour l'allergie, sauf que je ne les ai pas pris. Ah, ça me met dans un état. Pas mal, pas mal. Peut-être un petit manque de sagesse. Là, en tout cas, ce qu'on vous conseille, c'est d'être sage par rapport à des choses dont vous devez hériter. Ici, vous êtes peut-être... Si vous êtes peut-être dans l'industrie de la maladie. Ouais. Ici, vous êtes à votre place. Hein, vous êtes en paix. Vous avez un bon réseau. Vous avez une bonne renommée. Vous faites quelque chose que vous aimez. Par contre, ce que vous faites est très discuté. Peut-être discutable, je n'en sais rien. Vous avez peut-être mis au point une technique qui permet de terrasser une maladie. Et ici, on a déposé le copyright. Mais par contre, on s'est associé avec personne. Et ici, ce n'est pas tant le fait que vous vous fassiez des coucougnettes en or qui dérangent tout le monde. C'est qu'en fait, vous êtes en train de comprendre votre pouvoir et il est énorme. Ce qu'on vous dit, c'est de rester sage, c'est-à-dire de rester à votre place, de comprendre qui vous êtes. Vous n'êtes pas... Alors peut-être aussi que vous avez mis à mal certains processus ou certains trucs plus industrialisés. Et que du coup, vous qui défrayez la chronique avec votre petit protocole, j'allais dire pas à deux balles, hein, mais qui fonctionne. Et en fait, j'ai l'impression qu'ici, vous avez pu faire un développement massif, faire en sorte que ce soit accessible à un maximum de monde. Et que du coup, même avec votre toute petite structure, vous arrivez à faire de l'ombre. En plus, à des processus qui sont beaucoup plus coûteux sur le plan chimique, peut-être aussi sur le plan de la transformation des produits, mais aussi sur le plan de l'organisme qui est encrassé en fait par les produits qui sont consommés pour avoir le même résultat que vous. En fait, ici, j'ai l'impression que j'ai des gens qui vont trouver des processus de guérison light. Complètement adapté au corps. Et si on est peut-être déjà dans les soins quantiques, hein. Mais c'est quelque chose d'extrêmement simple. Vous le rendez abordable à tous.
Alors, on m'a demandé de rajouter des cartes aux quatre coins. Alors, ici, il y a cloître, le fait d'être enfermé par rapport à la sagesse. Il y a une certaine forme de stérilité, le fait d'être isolé des autres. Ben, je me demande si un des premiers trucs que vous prenez, en fait, n'est pas basé sur le fait de ne pas rester isolé, justement. De toujours avoir... Peut-être que c'est la marche, tu sais, c'est peut-être que c'est le fait de susciter chez l'autre le besoin de sortir et que c'est la garantie de la santé, je sais pas. C'est un truc comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Stérilité. Ici, pour moi, il y a le fait que s'enfermer est stérile, rend malade. Ici, je me demande même s'il n'y a pas des gens qui vont faire des procédures par rapport à l'injonction de rester cloîtré. Parce qu'ici, ça renvoie à un héritage, mais pour moi, ce n'est pas un héritage sympa, c'est un héritage d'enfermer les gens, quoi. C'est une nouvelle façon d'enfermer les gens. Et ici, j'ai l'impression que ça va se... Ouais, on va réussir, hein. On va réussir à avoir le droit de demander de ne pas être enfermé. Mais qu'est-ce que c'est cool! Pour notre bonne santé physique et mentale, nous demandons le droit de sortir de chez nous. Merci. Droit accordé. Droit accordé. Alors, on y va! Eh bien, ici, il y a du spirituel hein, qui est né. Il y a des prises de conscience spirituelle. Si, maman, si tu voyais ma vie. Il y a des choix à faire, justement, par rapport à ce qu'on vous demande de faire, par rapport à vos désirs. Et il y a peut-être ici des désirs que vous avez mis à l'ombre. Il y a la méfiance, hein. On est en pleine transformation ici, hein. C'est beau. Elles sont vraiment très belles, ces cartes. Et cute. Il m'aura fallu du temps pour m'habituer à ce 77 blanc. Mais c'est un pur bonheur. Nar. Ah, il y a une vague d'abondance. Hein. Une vague d'abondance. Et... Alors... Ici, j'ai le regard qui change, le serpent qui nous indique la transformation, qui nous parle aussi de montée de Kundalini et du fait d'avoir un regard plus ancré, plus centré. Ici, on ne se laisse plus, on ne laisse plus son attention être détournée par... Attends, j'ai l'impression que j'ai mon allergie qui est en train de me parler, là, par les... Tu sais, c'est comme si ça me refaisait les plis du cerveau à l'extérieur. C'est comme si mon truc, il parle. Tu sais, ma peau, elle parle. C'est un truc de fou. Hein. C'est très particulier. Donc, un changement de regard sur les choses. Une dimension spirituelle plus importante qui a été choisie pendant cette période où on a été cloîtré, enfermé à la maison. Les désirs, ou le fruit des désirs, ou quelque chose de presque bestial qui a été reconnecté à l'intérieur de soi, peut-être même de manière inconsciente, et on se fie beaucoup plus à ce qu'on entend, à ce qu'on renifle, à son instinct. Il y a quelque chose de... On a reconnecté avec soi en profondeur, et on a une vision qui est transformée de la vie. Ici, c'est aussi grâce à l'éveil, à la montée de Kundalini. En fait, j'ai l'impression que c'est comme si certains d'entre vous font fusionner complètement leur animal tutélaire, leur animal de force, et eux-mêmes. Ici, il y a un renforcement de vos instincts. On ne se pose pas de questions sur ce qu'on entend, on prend. On ne se pose pas de questions sur ce qu'on voit, on voit. Il y a un éveil de conscience énorme qui va vous permettre de faire un bond énorme aussi dans votre vie matérielle, de vous faire avancer sur le plan émotionnel,
et d'accéder à un nouvel ancrage, un nouvel alignement sur le plan spirituel. Il y a des choses à quoi vous allez tourner le dos et notamment aux portes fermées. Ici, on va s'unir le côté bestial, le côté humain. Et en fait, c'est comme si, avec tout ça, vous comprenez qu'il y a quelque chose de, il y a quelque chose à en tirer. Quel est le bénéfice, quel est l'ensemble qui appartient justement à l'humanité et c'est des difficultés que vous avez rencontrées que vous allez triompher. C'est parce qu'il y a eu des difficultés que vous êtes devenu plus fort. Et en fait, vous n'auriez jamais cru. En fait, c'est comme si vous vous rendez compte que toutes ces difficultés vous ont sculpté, peaufiné. C'est un truc de fou, c'est très beau. Ah, allez, l'amour! Parler d'amour! On va avoir un nouveau regard ici, mais c'est un regard à 360. Hein. On va dans tous les sens. Ouais. Allez, l'amour pour le 5. Non, c'est pour le 4. Mon Dieu. Alors, les célibataires, s'il vous plaît. Le tirage de l'amour. Ici, il y a des difficultés, justement. Bah, cool. Ah, bah, maintenant, vous allez les attendre avec bonheur. Il y avait la paire de ciseaux juste derrière. Bah, tiens, elle revient. Il y a les flammes. Ben, on va voir si elles ressortent, hein, les flammes. Non, ici, il y a la porte. Alors, après des difficultés, on a pu couper parce qu'il y avait trop de difficultés à mes célibataires dans une relation et peut-être que la porte se rouvre un an après. Un an après. C'est la porte 18. Il y a quelque chose qu'on a pris le temps de finir, quelque chose qui a duré plus longtemps que prévu. Ici, j'ai l'impression que certains d'entre vous s'étaient surestimés ou alors avaient sous-évalué une difficulté. Avec la gestation, il y a un retour aussi, mais on parle de l'année prochaine, mon Dieu. Moi, j'ai l'impression que c'est la même histoire. Et ça fait plusieurs jours qu'on nous en parle et on nous dit que c'est un flamme jumelle, bah, tu vois. La porte ouverte à toutes les fenêtres. Tendresse, équilibre. Moi, j'ai l'impression que c'est qu'une seule histoire. Et pardon. Alors, ça ne peut être qu'une seule histoire. Oh, surprise. Pacte. Oh ! Ici, il y a eu un coup de problème de santé. Hein. J'ai peut-être quelqu'un qui a été opéré au mois de novembre. Dernier. Retour à l'abondance. Et ici, on s'est promis de faire ce qu'on avait à faire dans sa vie avec le pacte. J'ai mal au ventre. Ici, j'ai peut-être des gens qui ont réalisé qu'ils ont laissé passer l'homme ou la femme de leur vie et qui se sont vraiment rendus malades. Il y a eu des difficultés, il y a eu des trucs à gérer. Oh, j'ai le poil, mais dressé sur le bras. Il y a eu des difficultés ici, des trop grosses difficultés au niveau de la santé, ça a basculé. Et ici, j'ai quelqu'un qui revient. Qui revient pour faire des projets avec quelqu'un qu'il ou elle voit ou perçoit comme un lien sacré, une flamme jumelle. Il y a de la tendresse. Ici, on va prendre plus en compte. Excuse-moi, j'ai froid. Ici, j'ai des gens qui ont cru qu'ils sont morts d'une certaine façon. Parce que sans la relation à l'autre et sans perspective de revoir l'autre, on avait l'impression de mourir à l'intérieur. C'est un truc de fou. Ici j'ai c'est comme si c'était pour vous ouvrir à la tendresse que c'était obligatoire et qu'en fait vous avez voulu éviter cette difficulté et en fait l'évitement n'a rien solutionné, au contraire. Bon, moi j'ai quelque chose ici qui se passe dans les 10 jours. Ouais. Et si j'ai quelqu'un qui revient vers vous, hein, ou vous qui ne vous retenez plus, parce qu'il y a eu un parcours qui a été difficile avec quelqu'un qui est votre moitié. On va voir qu'est-ce que je peux mettre dessus. Allez. Oh, il faut que je m'arrête. Alors, les difficultés, c'était par rapport à se réjouir, de faire la fête. Les ciseaux du mois de mai.
Il y a eu un truc qui a été cassé sur le plan matériel au mois de mai. On a pu récolter ici, on va être plus juste avec soi-même, hein. C'est marrant parce que c'est assez festif les cartes que je tire dessus. C'est comme s'il y avait quelque chose de joyeux alors que les autres cartes, elles ne sont pas forcément joyeuses, hein. J'ai quelqu'un qui s'est énormément protégé là ici. On a eu peur de se faire avoir une deuxième fois. On montait la garde, hein. C'est comme si on protège un trésor ici. En fait, j'ai l'impression qu'on n'avait plus d'énergie, on a été jusqu'au bout de ses forces. Oh, j'ai le 10 de coupe. C'est comme si quelqu'un avait tout préparé pour être heureux ou pour être heureuse avec vous. On n'envisage pas autre chose. J'ai l'impression que la personne, elle voulait venir quand elle avait fini de... J'ai cette notion de passe ton bac d'abord ici, on voulait tout solder, un truc pourri. Pour rejoindre son cher et tendre, sa chère et tendre. J'ai quelque chose de... Alors, c'est marrant parce que sur Flamme Jumelle, j'ai quelque chose d'un renouveau, en fait. J'ai un truc qui est possible de recommencer dans la justesse, sans mensonge. Il y a de la tendresse, il y a se reconnecter à ce qu'on veut vraiment, l'équilibre entre le cerveau et le cœur. Oh, la connexion au divin avec le hiérophante. Et ici, la réussite. C'est magnifique. Oh là là! L'as de bâton. Bon, ici, pour moi, c'est l'ouverture du troisième œil. Et il y a quelque chose qui est achevé pour retrouver sa moitié, son autre, son... Je sais pas comment te... Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Qu'est-ce qui irait le mieux comme mot? Je sais pas. Votre amour. Voilà. Votre amour. C'est ça qu'on envoie. S'il va y avoir quelque chose à célébrer après vous être beaucoup protégé, on a peur d'y laisser. J'ai l'impression que vous êtes fait chourer beaucoup de matériel, parce que vous étiez généreux, généreuse. Et qu'ici, on va centrer les choses. En fait, c'est que vous comprenez qu'il y a un équilibre entre le matériel et le sentimental et que l'abondance dans l'un ne peut pas exister sans l'abondance dans l'autre. Vous n'avez pas à vous priver. Par contre, c'est un truc d'action et de responsabilité, d'enthousiasme que vous allez devoir lâcher parce que j'ai l'impression que vous avez porté pour plusieurs. Avec le page de Pentacle, on va recommencer à laisser vivre quelque chose. Quelque chose qui va être épanouissant. Regarde-moi la lumière, elle est de plus en plus grande, elle est de plus en plus forte, hein. Au début, ça n'est qu'un rêve. Ensuite, on s'assoit, on se connecte et on laisse pousser ce baobab géant. Et ici, là, il y a une connexion avec le divin, là, qui est énorme, qui vous parle d'une surprise, qui vous amène énormément de chaleur, énormément de succès, parce qu'en fait, on l'a à l'intérieur, hein. Il y a vraiment ça, hein. Il y a vraiment ce feu intérieur, cette conscience, cette ouverture du troisième œil. Puis bon, ben là, c'est aussi le chakra coronal. Hein. Mais pour moi, c'est quelque chose. En fait, si tu veux, avec le hiérophante et le soleil, c'est-à-dire qu'on est assis et on joue son rôle de trait d'union entre le ciel et la terre, hein, d'enfant de la terre. On joue notre rôle de trait d'union. Et s'il y a le fait de prendre notre juste place, qui est vraiment magnifique. Bah écoutez, j'espère que ça vous parlera. On a des cartes de triomphe en dos de deck. Qu'est-ce qui nous accompagne chez Michael? On nous parle de la maîtrise des âges. Maîtrise des âges et une petite deuxième. Sagesse. Oh, Michael lui-même qui s'est déplacé. Merci d'être venu. Amour éternel et protection. N'oubliez pas que... Les archanges sont parfaitement ubiquites, vous pouvez les solliciter, ils ont une énergie qui est suffisamment grande pour être là pour vous et pour des millions de personnes en même temps, ne t'inquiète pas. Donc ici, on vous rappelle la sagesse des âges, c'est ça, c'est le fait d'être capable d'intégrer les leçons que vous avez prises à tous les âges. Et avec l'archange Saint-Michel, on vous parle d'amour éternel et de protection.
Je te protège et je t'aime de manière inconditionnelle. Je vous fais de très gros bisous. Je suis contente. On est en dessous de 30 minutes. Une excellente journée. Bisous et à très vite sur la chaîne de Didi. Merci.